On t'a jamais fessé? Ma mère m'a fessé. J'appelle les fesses. Mais toi, tu as déjà fessé quelqu'un? J'ai pas d'enfant. Non. Tu as compris. And if a nigga get a attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I'm over best weed cause I got it going on. Les Européens, ils se cachent pour donner les fessées. Moi, je suis la première. Ils font des tapettes, j'ai des petits bobos sur les fesses. C'est les petits bobos sur les fesses. Non, pas du tout. C'est les petits bobos. Attends, ça fait 15 ans que je travaille en pédiatrie. Je peux te dire que les Européens se cachent pour frapper leurs enfants. Est-ce que peut-être une Africaine va pas se cacher pour faire parce qu'elle va déjà te menacer. Elle va te dire, on va régler ça tout à l'heure et elle va te cogner après. Mais elle va pas se cacher. Pourquoi on a inventé le numéro? Moi, ma petite soeur, elle a appris le numéro, le 06, machin truc, machin. Ma mère, elle lui a dit, bah vas-y, appelle. Coller la petite, coller la petite. C'est dans les pays africains, une fessée, il te fesse, mais il t'explique pas pourquoi il te fesse. Non, on a appris, tu sais pourquoi, on fesse pas gratuit non plus. L'enfant, il est en train de s'habiller pour aller à l'école, il a pas mis ses chaussettes, on le fouette. Alors c'est une bêtise. C'est la prochaine. Oui, c'est parce que... Non, mais tu lui expliques, tu lui dis qu'écoute, tu vas être en retard. Mind-toi, tu vas être en retard. Peut-être tu l'as dit ça 10 fois. Non, je connais. Hey, moi, ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a pas de crescendo. C'est ou ça ou la fessée. Après l'école, on cachait pour aller jouer au foot. Ils vont appeler l'école. Ils vont envoyer quelqu'un. Va voir si Babs est là-bas. Si tu n'es pas là, regarde, tu es mort. Il y a des gens qui se lâchaient trop. Il y a des gens qui savaient plus donner une fessée. Ça veut dire, on te donne une fessée, mais en fin de compte, l'enfant, le lendemain, tu le vois, il est bleu, ou il a atterri aux urgences. Moi, je préférais que ma mère, elle me tape tout de suite plutôt qu'elle me dise on va régler ça tout à l'heure. Hein. Parce que quand elle te dit on va régler ça tout à l'heure, toi, tu flippes. Parce que tu sais pas quand est-ce qu'elle va t'attraper. J'ai pas d'enfant, mais j'ai des neveux et jusqu'à maintenant. Ils me craignent suffisamment pour que j'ai pas besoin de lever la main. Mais sauf que je les fais approcher très très près de moi pour qu'ils puissent sentir que voilà, je suis pas mauvaise. Non, mais qu'on me respecte. You know what to do with that big fat butt. Wiggle wiggle wiggle. Wiggle wiggle wiggle. Wiggle wiggle wiggle. Just a little bit of. Voilà. Attends, je vais donner un exemple. Chez nous, peut-être chez toi, tu vas prendre la moto, peut-être tu avais 14 ans, tu fais ça. Ils vont attendre, même le même jour là que tu es blessé, ils vont te soigner, ils vont te fesser. Parce que pour eux, à ton âge, à 14 ans, comment tu peux aller faire moto jusqu'à tu blesses? Non, attends, je te dis, c'est ça que je te dis, c'est pas gratuit. J'étais un bandit, tu sais pourquoi? Lui qui m'a dit, si on ne le tapait pas, il allait être un voyou. Mais t'es un bandit. Abonne-toi, même si tu as faim, abonne-toi.